Mesdames et messieurs, petits et grands, on retrouve notre aventure avec Flint dans Haven Park. Flint, le petit canard jaune. Et va-t-on réussir à satisfaire tous les campeurs? Va-t-on réussir à trouver un remplacement pour notre torche? Eh bien, on va tout de suite aller voir ça en jeu. On était au niveau du moulin abandonné et on venait tout juste voir notre premier campeur qui nous demande, selon toute logique, à la fois un abri et de la nourriture et tout ce qu'il lui faut. Une fois n'est pas coutume, j'ai un petit peu plus de tissu que de bois. Je vais donc lui faire une tente, une vraie tente, voilà. Une tente qu'on va lui mettre au coin du feu. De manière à ce qu'elle ne me gêne quand même pas trop non plus. Voilà. Petite tente au coin du feu. J'ai faim. Il n'y a nulle part où manger. Salut! Tu passes du bon temps? Oui, j'aime beaucoup ce parc. Surtout ses mythes et légendes. L'autre jour, un ami m'a raconté une histoire d'une émeraude cachée dans une tour. T'imagines si c'est vrai? Je me demande si quelqu'un l'a trouvée. J'essaye de la trouver, moi, cette émeraude dans la tour. Il n'y a nulle part où manger. Oui, j'arrive, j'arrive. Donc, j'ai toujours pas de quoi faire plus, c'est-à-dire qu'un camion de nourriture à un partiti. On va lui mettre un petit barbecue. Un petit barbecue qu'on va mettre sur la plage. Il n'y a nulle part où manger, il n'y a nulle part où manger, voilà, il n'y a quelque part où manger aussi, tadam! Salut! Oui, Noto qui me dit la même chose. Parfait, donc on peut rajouter un petit endroit où se reposer. Et je mettrai bien un petit parasol sur la plage. Parce que c'est toujours l'endroit où mettre les parasols. Ah, on met le parasol. Du coup, si j'ai bien vu, j'ai une pièce à récolter. Voilà. Donc avec un peu de chance, on aura un deuxième campeur qui va arriver. Je profite pour essayer d'attraper cette petite pièce-là. Là, voilà. Ah bah, il y avait du bois, du métal aussi, en passant. C'est merveilleux. Donc qu'est-ce qu'on a par là? On a... faut arriver par l'autre côté, j'imagine. Voilà, un nouveau campeur est arrivé au moulin abandonné. C'est parfait, je fais juste un petit tour d'horizon pour voir un peu à quoi ça ressemble par ici. Il y a un coffre par là. Quelque chose me dit que je n'ai pas les capacités pour sauter aussi haut. Et ici, j'ai déjà vidé. Donc, notre nouveau campeur, c'est pas toi. Voilà, ça c'est Eddie qui nous raconte son histoire. Ah là. Bonjour! Tu connais l'histoire derrière ce vieux moulin? Bien sûr, tout le monde ici la connaît. Vraiment, tu peux me raconter? Elle a été construite il y a 4 ou 5 siècles. On ne sait pas exactement. Elle était tenue par une famille. Elle a été détruite pendant une inondation, puis reconstruite et rénovée plusieurs fois. Mon grand-papa a fait sa demande à ma grand-maman ici. Oh, c'est mignon! Et du coup, ça s'appelle Zo. Parfait. Je sais pas trop quoi faire. On va rajouter des activités. Je sais pas ce que tu veux comme activité par contre. Donc, je vais te mettre un abri d'abord. Une deuxième tente. À peu près à côté de la première. Tu veux aussi de la nourriture? J'aimerais bien quand même avoir le camion de nourriture ou whatever pour avancer. Et je peux mettre un peu de décoration. Je dois pouvoir te mettre torche, ça demande du métal. J'en ai un peu là du métal. Hein. C'est le bois, je commence à me manquer. Mais en même temps, c'est pas fichou. Je vais aller voir un peu ce que je peux faire.
dans les campements qui me demandaient du métal, justement. Alors, une petite pièce ici. J'ai vu qu'on pouvait grimper là. C'est parfait. Puis-je sauter? Je peux faire le tour. C'est tout aussi bien. Un petit coffre. Parce qu'on gênerait quand même. J'ai pas réussi à sauter, oups. J'aimerais quand même finir les zones qu'on a déjà commencées avant de me lancer dans tout le reste de la zone. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Alors, on va lire la note. Que dit cette note, cher utilisateur du téléphérique? Nous regrettons de vous informer que ce téléphérique est momentanément hors service. Un tronc d'arbre bloque le mécanisme d'un pylône. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Cordialement, le type du téléphérique. Oh non! C'est la seule manière d'aller au rocher de la tortue. Peut-être que je peux réparer ça. Ça devrait pas être si compliqué, non? Faut juste que je trouve un moyen d'atteindre le pylône. Je vais jeter un œil à la falaise. Il y a peut-être un chemin. Donc, du coup, on a une quête pour réparer le téléphérique. Parfait. Par contre, je jette un œil à la falaise. En faisant tout le tour, je peux faire le tour de cette falaise? Alors, je peux pas par là. Là, il y a un coffre, mais j'ai dit que je sautais pas assez haut. Voilà. Ah, il a l'air d'avoir un petit chemin. Peut-être pouvoir faire des choses. Peu de loot. On prend le loot. Ah, je peux peut-être faire ça. Non, j'ai pas réussi à sauter. Je reviendrai quand j'aurai de l'athlétisme et que je me souviendrai qu'il faut que je vienne par ici. Un peu le souci, mais c'est pas grave. C'est comme les choses qu'on a à réparer. Je vais essayer de longer hein, parce que je vois pas grand-chose là. Il y a un truc à prendre, je le prends. Voilà, cette vue. Si je le prends, je peux sauter? Je peux sauter. Des petites pièces, c'est parfait. Et il y a effectivement un arbre qui coince le pylône. Et ah, du coup, j'ai terminé la quête du téléphérique. Merveilleux. On va donc pouvoir prendre le téléphérique. Et en plus, il y avait du bois ici, et on l'a même pas pris. Mais j'ai dit que je voulais pas prendre le téléphérique, pas tout de suite. Je voudrais déjà essayer de retourner en tout cas du côté du puits à souhait, par exemple, pour l'améliorer. Et de même pour les autres camps que j'avais pu trouver. Donc plutôt par là. Abbot qui nous dit c'est un bel endroit. Et il nous dit j'ai faim. Et du coup ici il manque un abri. Donc on a c'est équivalent, on a autant de tentes que de. Autant de bois que de. Que de tissu. Donc il n'y a pas de souci. Il y a quelques pièces ici. Et on va du coup avoir un nouveau campeur. Ce qui est plutôt top. Et du coup, je peux tout de suite lui construire un deuxième tipi, histoire que puisse dormir également. Coucou! Il y a un truc avec ce puits. C'est clair. Il semble suspect. Ouais. L'autre jour,
Je le jure, je l'ai entendu parler. Ben moi aussi. Si j'étais toi, je m'approcherais pas trop de ce puits. Ouais, je lui fais pas confiance non plus. Donc tu t'appelles Meg. Bonjour Meg. Et du coup, je peux mettre des activités et des décorations. On peut mettre une radio. Qui fait réellement une petite musique. Et on peut mettre des décorations. Est-ce que je mets un pot de fleurs? Oui, je peux mettre un pot de fleurs. J'ai pas énormément de bois, mais ça va m'utiliser un petit peu mes champignons et le reste. Je vais mettre là, par exemple. Et il me reste, du coup, une autre décoration à mettre. Un bois de tissu. Je suis pas fan. J'ai plus assez pour le... Deux champignons, un métal, un bois. Petite torche. Allez, je mets une torche. Ici. Voilà. Et... A-t-on moyen d'avoir plus de choses sur ce puits? Non, je suis demandé de nous parler. Je peux pas vraiment lancer de pièces dedans. Donc voilà, le puits au souhait, ça y est, c'est fini. Maintenant, faut que je retrouve comment j'y suis arrivé par là. Pour retourner voir. Ah, parfait. Un lampadaire à réparer. C'est parfait. On retourne sur des zones où on n'a pas tout réparé. C'est parfait. Donc là, le lampadaire est réparé. Le panneau est réparé. Préparer. Donc je retourne à la tour noire. J'avais fini la tour noire. Est-ce que j'ai des petites pièces? Oui, 6 pièces. C'est pas rien. On récupère les 6 pièces. Je suis pas sûre, mais je vais passer par là. C'est ça. Ici, c'est pareil. C'est complet. Tout va bien. C'est bien, on commence à avoir des campements qui sont complets, donc c'est plutôt cool. Il y a des champignons là que j'avais pas pris. Il y a du bois qui a visiblement repopé. C'est parfait. Un coffre, un coffre. Il y a un coffre et je suis pas passé à côté. Peut-être pas repopé ce bois, hein. Je suis peut-être juste passé à côté sans le voir. Donc Lisa est toujours contente. C'est parfait, il n'y a pas d'endroit où s'amuser. J'arrive, j'arrive, je suis là. Je suis là et j'ai eu un petit peu de ressources. Donc, je peux vous mettre une activité qui ne demanderait pas trop de bois, ça m'arrangerait. Je vais vous mettre une piscine, 3 bois de métal, 3 tissus. Petite piscine à côté de la plage. Niveau cohérence. Ah, 37 pièces. Ah, c'est cool ça. Allumer le feu.
J'ai pas l'impression que ça me consomme mon bois d'allumer le feu. Petite pièce cachée par ici. Alors ici j'en étais où? On a deux campeurs, par contre ils ont absolument pas de place pour dormir. Je vais mettre un deuxième tipi, même si pour le coup c'est juste pour payer ma cohérence. De la nourriture. Ils ont rien en nourriture pour l'instant. Et je n'ai que de quoi faire un barbecue. Donc ce sera un barbecue. C'est pareil, un barbecue alors qu'on a un feu de bois. Et je n'ai plus de bois pour faire ce qu'il faut pour les aider, malheureusement. On va essayer de faire un marché la prochaine fois. Peut-être retourner à la tour noire. On est super loin de la tour noire, mais ça peut se faire. Vous voyez, on me dit, j'ai complété la plage du soleil, j'ai complété les saules pleureurs, la tour noire, mais pas le moulin abandonné et pas la crypte de l'Est. Puis le souhait est complété également. Donc, pour l'instant, j'ai qu'un point de compétence. Ça va pas m'avancer des masses. Par contre, bien évidemment, ça ne m'indique pas les endroits où j'aurais pu éventuellement laisser des objets à construire. Donc la tour noire est par là. La tour noire est par là. Je vois typiquement un rondin de bois là qui me nargue depuis l'autre côté de haut. Alors que j'ai exactement besoin d'un rondin de bois. Puis-je la voir en passant par là? Allez réparer cette clôture. Allez réparer cette clôture. Ça va pas m'amener à la tour noire, mais peut-être m'amener à mon rondin de bois. Donc. Et je suis coincé là. Je suis coincé! C'est moi accéder à cette luciole. Je veux la luciole. Si elle tombe, je la veux plus. J'ai récupéré la luciole. Là, on a dit qu'on avait déjà récupéré ça. Est-ce que je peux avoir ce rondin de bois? Parfait. Parfait, parfait. Ici. Ça a l'air d'être pas trop mal. Niveau ressources. Ce qui veut dire en plus que je me suis pas trop éloigné et que j'ai un bois. Que je vais donc pouvoir peut-être compléter. Il leur faut une activité de repos. Je pourrais mettre un banc. Je leur avais déjà mis un banc. J'aime bien varier un peu. Je vais donc leur mettre un parasol qui va consommer un peu de tissu malheureusement, mais c'est pas grave. Petit parasol en plein milieu. Voilà, la crique de l'Ouest, c'est géré. On va pouvoir retourner explorer un peu du côté du moulin, du côté de la tour noire, où on sait qu'il y a des choses qui nous manque. D'ailleurs, j'ai débloqué le téléphérique. Peut-être aller voir ce téléphérique, tout simplement. Donc on est de nuit et on est bien content. C'était la luciole que je voulais. C'était la luciole. Je voulais pas faire piou, je voulais la luciole. Laissez-moi attraper cette luciole. On est bien content d'avoir acheté un peu de vision nocturne. Donc là, les panneaux sont parfaits.
Alors, on devrait pouvoir monter dans ce téléphérique. Parfait. Et on en ressort. Il y a un peu de métal ici et il y a un lampadaire là. J'ai pas assez de bois pour réparer ici. Dommage. Donc on a le numéro 13. C'est parfait. On a des champignons qui brillent dans le noir, des petites fleurs à souffler. C'est quand même un peu chaud de nuit, hein. Donc un lampadaire à réparer, ça va être bien. Ici, je vois une barrière qui est cassée, mais j'ai pas assez. Il va me falloir du bois. Il va nous falloir du bois. Dans ce dédale. Voilà, on peut réparer ici, c'est cool. Je vois du bois là. Comment j'y accède? Je ne sais point. Ici, il y a un banc. Ici, il y a un bois. Parfait. Ici, il y a un autre bois. C'est parfait. Il y a une petite pièce. Je la prends. Alors, je répare la barrière. Je retourne de l'autre côté. J'aimerais bien réparer le panneau des directions, ça me paraît une bonne idée. Je vois qu'il y a une petite pièce là. Donne-moi la pièce. Est-ce que je peux passer? Puis-je passer? Oui, merci. Voilà, le panneau des directions qui est juste là. Donc, les champs d'or et le rocher de la tortue. C'est parfait. Oh, ça, c'est pas parfait du tout. C'est pas grave, je tombe sur des ressources. Mais c'est pas ce que je voulais faire. À refaire tout le tour, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Un peu chiant, mais pas dramatique. On court, on court, on court, on court. Je suis bête, il était de ce côté-là. Et il est de ce côté-là. Pouf, je suis dedans normalement. Je crois être dedans. J'étais dedans. Ok, il va pas partir sans moi. Pas toujours évident dans ce sens-là de savoir si on est dedans ou pas. Je préfère ce côté-là. Où je peux voir clairement que je suis dedans et qu'il faut que j'attende. Et hop. Et en plus, j'ai des ressources que je n'ai pas récupérées en bas. Ici. Hop. Je prends. C'est toujours du métal. Je vais peut-être finir par prendre le trait qui nous donne plus de bois. Pour l'instant, je me disais, ça va pas nous servir. Mais en fait, pour l'instant, on est un peu en pénurie. Il y a du bois en haut. Comment je peux aller en haut? Est-ce que je peux aller en... Ou à partir de là, peut-être. Une étape là, et on contourne les arbres.
C'est parfait. Donc ici, un lampadaire à réparer. Ça nous consomme notre métal, c'est cool. On répare une barrière, ça nous consomme notre bois, c'est un peu moins cool. Mais ça fait le taf. Ici, ça fait une tortue. Nos derniers bois dans les directions. Donc on voit le vieux château. Et si on se souvient bien, notre lettre était à donner à quelqu'un du vieux château. Et j'ai pas d'informations supplémentaires. Apporter la lettre à Monsieur Baird. Et dans mes objets, j'ai une lettre perdue, mais j'ai pas plus d'indications sur comment elle est perdue. Donc ici, on répare. Est-ce que ceci, je peux y toucher? Oh! C'est cassé. J'imagine que je vais devoir le réparer. J'ai besoin de bois et d'une corde. Ok, il va falloir du bois et une corde. Déjà qu'on n'a plus de bois pour réparer cette barrière. Oh, trois bois pour réparer la barrière. Ça, c'est parfait. Une petite pièce là. Je vais commencer cette petite pièce. Sans doute quand je serai plus athlétique. Une petite pièce. Un truc à souffler. Je l'ai pas vu. Voilà. Je souffle. Je ne sais absolument pas si c'est un intérêt de souffler sur les choses. Mais c'est pas grave. Je souffle. Je répare le lampadaire. J'allume cette chose. Et j'aimerais terriblement en trouver une portable pour remplacer ma torche. Je prends honteusement le contenu de tout ça. Et ici, on a le camping du rocher de la tortue. On va donc mettre le traditionnel feu de camp. Et il y a plein de petites fleurs à souffler. Je veux les souffler, je veux les souffler. Et il y a des ressources là également. C'est parfait. Et on a un campeur qui arrive. C'est parfait également. Puis sauter, je veux sauter. Ah, et on trouve grand-maman. Te voilà. On venait ici quand tu étais petit. Oui, je crois que je me rappelle. Le parc reprend de l'allure. Tu fais du bon travail. Il y a encore tellement à faire. Fais une chose après l'autre et tout ira bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais aller à la chapelle du mont du Pèlerin. La vue est magnifique là-haut. C'est assez loin, non? Ne t'inquiète pas. Quand j'y arriverai, je ferai une longue sieste bien méritée. Je te retrouverai là-haut, mais j'ai besoin d'un peu de temps d'abord. Je ne suis pas pressée, tu sais. Prends soin de toi, Flint. Toi aussi, grand-maman. Ok, bon bah c'est cool, on retrouve grand-maman. Le rocher de la tortue. Cette formation rocheuse massive provient des montagnes. Elle a été poussée pendant des millénaires par un glacier pendant la période glaciaire. Maintenant, elle se repose ici de son long trajet. Ok. Et je peux prendre une corde. Et on va discuter avec le campeur. Bonjour, campeur. Salut! Tu peux m'aider? Mais bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'attraper des lucioles pour un projet à l'école. Mais elle bouge trop vite. Hier, j'ai passé toute la nuit à essayer. J'en ai eu qu'une seule et elle s'est échappée. Bon, bah si je vois des lucioles,
J'essaierai d'attraper pour toi. Ça serait super. Je te donnerai une récompense. Oh, c'est pas nécessaire. Regarde. Je trouve un beau caillou. Ah, tu vas nous donner des cailloux en échange de nos lucioles. Ah oui, c'est un beau caillou, j'imagine. Amène-moi 8 lucioles et il est à toi. Oh, bien sûr. Meilleur deal du monde. 8 lucioles contre un caillou. Intérêt d'être bien le caillou, hein. Donc on est déjà à 59% de maintien du parc. On n'a pas encore trouvé tous les campements et on a pas mal de quêtes secondaires. Et j'ai combien de lucioles? 2 lucioles. Et du coup, on a le rocher de la tortue et le moulin abandonné qu'on n'a pas complété. Effectivement, le rocher de la tortue, on vient d'y arriver. Donc on va construire des choses. Sauf qu'en fait, j'ai 0 bois. Donc, oups. On va essayer d'avoir 4 bois pour avoir un marché, ça serait bien. Ça serait super bien. Je vais voir un peu ce que je peux faire. Ici, c'est une pièce. Ça va pas m'arranger, mais quand même, on sait jamais. Ah là, il y a un coffre. Il y a un coffre. Est-ce que ça vaut le coup que je descende tout de suite? Non, je vais passer là. Je vais prendre le bois. 3 bois, c'est déjà bien 3 bois. On a dit qu'on en aimerait 4. Entre 3 et 4, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut souffler les petites fleurs. Parce que c'est marrant. On peut se laisser tomber ici. Voir le coffre. Un tissu, un métal. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Est-ce qu'il y a du bois par ici? Non. Eh ben si, il y a du bois. Un petit bois là, c'est parfait. Là où on a trouvé la pelle. Je vais donc pouvoir retourner tout là-haut. Faire un marché qui devrait déjà nous servir un peu, sachant qu'il faut aussi qu'on répare le pont de corde qui nous demande du bois. On va essayer de faire attention, d'être attentif à si on trouve du bois, ce serait tellement cool. Peut-être grimper là, non? Donc on va reprendre le téléphérique. Ah non, il part sans nous. On va attendre le suivant. La porte s'ouvre. Je disparais. Donc normalement, je suis dedans. Et on attend que ça remonte. Il a l'air d'avoir un coffre un petit peu tricky à récupérer par là. Et un autre en face. Mais déjà, ne pas tomber dans le canyon m'arrangerait. Donc je vais pour l'instant me contenter de ce que j'ai. Et si par le plus grand des hasards, je tombe sur des coffres que je n'ai pas auparavant, je suis super contente. C'est-à-dire que je suis pas venue par ici, je suis effectivement pas venue par là, du coup il y a de quoi looter, du tissu. Il y a un petit chemin tout escarpé avec un petit bout de bois. Il y a une pièce en bas, j'ai pas vraiment envie de descendre juste pour attraper la pièce, sauf si c'est vraiment un cul-de-sac pour attraper cette pièce. Ceci est un cul-de-sac pour attraper cette pièce.
J'ai donc gagné le droit de refaire tout le tour. Fort heureusement. L'île n'est pas si grande que ça. Mais je pense qu'on va aller jusqu'au téléphérique et s'arrêter ensuite. Il y a un coffre là. Il y a un coffre en hauteur. Ce serait bien de pouvoir l'attraper. J'ai même pas besoin de le reprendre le téléphérique. En fait, en passant par ici, ça devrait le faire. Et ce coffre-là aussi, j'aimerais bien. Pour l'instant, on a dit qu'on aimerait athlétique pour essayer de tenter les choses un peu plus tricky. Comme attraper ce coffre-là et pas se ramasser, lamentablement. Ah bah si, je me suis ramassé lamentablement, donc on va prendre le téléphérique. C'est plus simple. La porte s'ouvre, on rentre dedans. Et on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà suffisamment long. Peut-être qu'on arrivera à attraper le coffre qui était par là. Un peu plus loin, je pense. Parce que j'ai pas envie de croire qu'il faut que je redescende tout en bas pour attraper ce coffre. Ah, c'est sympa cette chose. Qu'est-ce? Je peux jouer avec? Non, je peux pas jouer avec. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On a donc encore deux campements qu'on a découverts et qu'on n'a pas fini d'améliorer. On a toujours notre alternative à la torche qu'il nous faut trouver pour eh bien, tout simplement finir notre quête de la tour d'émeraude, de la tour noire avec son émeraude. Ce serait vraiment top si on y arrivait. Alors ce que je vais peut-être faire, du coup. Si j'ai assez. Voilà. On a réparé le pont. Je pense que ça va peut-être nous sauver la vie un paquet de fois. Même si, à mon avis, ça m'ouvre plutôt des possibilités que d'aller vers d'autres endroits. Mais c'est pas grave. On se souviendra également qu'il faut qu'on trouve des lucioles pour avoir un caillou. On verra, ça se trouve, le caillou est super de la mortitude et il brille dans le noir et on serait sauvé. Mais en tout cas, eh ben, grand-maman nous a donné rendez-vous plus loin, encore plus loin. Et eh bien, nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!